everybody, the bottom line. I'm a black intellect, but I'm refined. We precision like the bullet, target bound. Just living like a hooker, the harlot sounds. Now, when I say the harlot, you know I need the hot heat of the equator, the dwarf that's in the pot. Jalik, Jalik, you wind up, yeah. Drafting up the poets, I'm the number 7 pick. Licks, 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 boy, from your backside. Licks, 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 boy, from your backside. Listen to the fate of Shahid, let's it glide. Took the earthly body, heaven's on my side. Even in Santo Domingo, and I got a gringo. We got my pretty ego. No other nigga who can rhyme when you ask me. Short, tall. Bonjour, c'est bien ici le vin, s'il vous plaît. Bah oui, c'est marqué là, non? Ah ouais. Vous vivez ici? Ouais. Parce que moi j'habitais il y a longtemps ici. Ah bah moi j'y suis né là. Mais s'il vous plaît, franchement, vous demandez juste de me raccourcir un petit peu, c'est pas grand chose. Mais vous faites comme quoi? Vous avez expliqué, je ne prends que les hommes. Arrêtez, mais s'il vous plaît, mais c'est que ça. Je vous demande 2 minutes, c'est pas grand chose. Vous avez des ciseaux, vous êtes pas. D'ailleurs, après ça, j'ai pas le temps. Justement, voilà mon rendez-vous. Eh ben, non, mais je m'en vais et je le dirai à tout le monde. Moi, j'habite dans le quartier, je le dirai à tout le monde, c'est clair. À tout le monde de pas venir chez vous. Bon, voilà, rentrez. Rentrez. Et puis mettez-vous là. Installez-vous ici. Voilà. Ben, merci. Je vous en prie. Ben, merci parce que cette nana, toute la journée, elle voulait que j'écoute face à un brochet. Bon, moi, je suis un coiffeur d'homme, vous l'avez vu. Donc, oui. Bon, je n'ai pas de brochet. Donc, un grand merci. Oui, c'est normal. Bon, alors, je vous fais quoi? Ah non, non, rien. Si, 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 mais attendez, vous me rendez service. C'est normal, moi, je vous fais ça, moi. J'ai pas coiffeur. J'ai pas d'argent. Pas d'argent. Bon, attends, pour cette fois. Mais non, non, je vous fais un petit truc, quoi. Je fais un petit rafraîchissement, quoi. Ses cheveux, ça me rappelle les cheveux d'une femme extraordinaire. Je croyais que vous coiffiez que les hommes. Non, non, mais votre nom, c'est quoi, là? Guillaume. Entre vous et moi, ça, c'était une femme particulière. Je l'ai aimée. On devait se marier, elle est partie avec son fils. Et je l'ai jamais revue après. Jamais. Jamais. Excusez-moi, est-ce que je peux m'asseoir ici? Ah oui, allez-y. Je vous remercie. Vous n'êtes pas du quartier? Si, je connais pas comme ma poche. Dufault, la rue de l'air, le quartier, le Rochambre. Oui, c'est ce que là, je vous sentais perdu. Pourquoi vous avez quitté le quartier? En fait, j'ai dû partir à la mort de ma mère. Pardon. Vraiment. Et alors, vous revenez ici? Je viens de perdre mon emploi. Je suis un peu perdu et je fais comme un retour aux sources, quoi. Et voilà, en demi. Bon, merci, le chef. Courage, hein. Voilà, donc. Salut, alors c'est juste ce matin, au numéro 20, ouais. Exact. D'accord. Je suis désolé d'ailleurs, j'étais pas trop là avec toi. Ouais, j'ai remarqué, ouais. Je suis un peu pressé, mais tu sais, j'habitais juste en dessous de chez toi. Mais ouais, c'est ça, je sais. Avec ta mère. Me disais bien, je t'avais reconnu, bien sûr. Je suis un peu speed là, je dois y aller, mais tu t'as de quoi noter Bah, bien sûr, attends. Tiens, bah voilà.
si tu veux. D'accord. Demain. 17h30, ok. 17h30, c'est bon pour toi. Ouais. D'accord, très bien. C'est bon ? Parfait. Ok. C'est marrant, il me semble d'ailleurs que j'ai croisé ton père il y a pas longtemps. Bon, j'y vais, on se voit demain. Mon père, mais je le connais pas, mon père. Il est où ma caisse ? Allô, oui, bonjour. Non, je vous appelle parce qu'on m'a enlevé ma voiture. Elle était garée rue Legendre. Plaque d'immatriculation 115XM75. J'avais mis un ticket, j'avais pas mis de ticket, mais elle était bien garée. Il y avait rien qui justifiait qu'on me l'enlève. Non, mais attendez, mais... Elle était en règle, j'avais juste mis. J'avais pas mis de ticket pour aujourd'hui, quoi, c'est tout. Mais moi, quoi, elle est pas chez vous? Mais moi, je suis dedans, vous comprenez? C'est-à-dire que c'est vous me la retirez, je donne ce genre dans la rue. C'est pas vous qui l'avez? Qu'est-ce que vous faites là? Quoi? Vous êtes dans un hall d'immeuble en train de dormir? Je suis en train de me reposer. Je suis pas en droit de dormir. Non, bah, attends, ma voiture. Vous êtes ici? Vous êtes pas chez vous? Je peux pas dormir nulle part. On va appeler ma voiture. Excusez-moi. Je vais partir. Bonne soirée. Vous allez dormir où? Je sais pas. Je vais trouver. Justify the end. Damn.
dancing in the moonlight. It's got me in its spotlight. It's all dancing in the moonlight on this long hot summer night. And I'm walking home. The last bus is long gone. On dit que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. But I'm dancing in the C'est un mec qui rentre dans un café, il commande un café au comptoir, et soudain il y a une envie pressante. Alors il écrit à côté, ne buvez pas, je crachais dedans. Et le temps qu'il revienne, quelqu'un avait écrit en dessous, moi aussi. D'accord. Et les blagues? Justement, je vais vous demander, vous en avez une nouvelle ou pas là? Vous connaissez celle du ramen de l'infirmière, non? Non, je sais que la dernière, j'avais fait à mes amis, ils avaient tous adoré. Hein. Non, bon. Mettez-vous là, asseyez-vous. J'en ai pour 5 minutes. Hein. J'ai vraiment 5 minutes. Donc, c'est le rabbin, l'infirmière, alors le rabbin, il lui dit, ça va pas du tout à la maison, il n'y a plus de place. Et alors. Il commence à lui raconter, il lui dit qu'il faut prendre la vache dans la... Merde, ma voiture! Finger, he
till death do us part. Each word was a pain in my heart. All I could do, all I could do was cry. All I could do was cry. I was losing the man that I love, and all I could do was cry. The wedding is over.